Je vais tenter un flip no slide. Ok, il passe. Il est pas très beau niveau sortie. Une deuxième fois, allez. Bon, ça sera un board slide. J'ai sauté un peu plus haut. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Zuka et aujourd'hui on va jouer à Skater XL. Alors c'est un jeu de skate orienté réalisme, on avait déjà fait une vidéo dessus il y a quelques temps. Le jeu a pas mal évolué et d'ailleurs il est maintenant disponible en version 1, donc vous pouvez d'ailleurs le trouver sur Steam. Il est d'ailleurs aussi sorti sur console. Alors globalement, le jeu se veut un petit peu dans la lignée de ce qu'on avait avec Skate 3 si vous avez connu ce jeu là. Donc on peut refaire à peu près tous les tricks qu'on veut et il faut mimer le mouvement des tricks. Vous allez voir, de toute façon je vais vous faire une présentation complète du jeu. Donc vous pouvez le voir déjà, on a le joystick gauche pour contrôler le pied avant, le joystick droit pour contrôler le pied arrière. D'ailleurs là vous pouvez voir tous mes mouvements. Vous voyez que quand je vais à gauche, le pied va à gauche, quand je vais à droite, le pied va à droite. Avant de parler de l'ensemble du contenu, on va parler du gameplay parce que c'est ça qui est intéressant dans les jeux de skate et notamment dans ceux orientés réalisme. Donc comme je vous l'ai dit, on a le pied arrière qui est contrôlé par un stick, le pied avant qui est contrôlé par l'autre stick. On peut bien évidemment avancer, hein, vous le voyez avec les boutons, donc on peut choisir le pied avec lequel on avance d'ailleurs. On peut tourner avec les gâchettes en haut et du coup on va voir un petit peu tout ce qui est kickflip au moins, voilà un des tricks de base pour comprendre comment ça fonctionne. Donc c'est assez simple, alors on va parler déjà du ollie. Alors, je me suis mis en switch, hop, on repasse en normal. Le holly, le concept est assez simple, vous baissez un pied, vous relâchez, hop, ça monte, vous faites un petit holly. Donc là, je le fais juste avec le pied arrière. Si, en plus, on ajoute le pied avant, donc on baisse les deux sticks, on lâche, on fait un holly un peu plus gros. C'est assez logique à ce niveau-là. Maintenant, le kickflip, donc la logique, si vous êtes un skater, vous la connaissez, vous allez baisser un pied, et après, le pied avant va être envoyé sur la gauche. Et tout simplement, ça va faire un kickflip. Donc vous le voyez, on peut faire un petit kickflip. On peut aussi faire un plus gros kickflip en utilisant les deux pieds pour se baisser. Comme ça. Hop, je me suis loupé bien évidemment. Hop, un peu plus gros. On peut le faire beaucoup plus lentement ou même le lancer en late. Je me baisse, je le lance. Vous le voyez, on peut le faire en late. Et on peut bien sûr lâcher un double kickflip en laissant appuyer sur le joystick plus longtemps comme ça. Hop. Voilà. Et on peut aussi aller sur du triple hein, si on a envie. Et du coup, la logique s'applique aussi aux chevites. Donc là, on va simplement faire des rotations de la planche avec le pied arrière. Si on veut faire un simple chevite, on va simplement appuyer vers l'arrière et lancer sur la gauche, comme ça. Vous voyez, ça fait un petit chevite. On peut le faire de l'autre côté si on a envie, bien évidemment. Et on peut faire un tour plus complet en appuyant un peu, comme ça. Alors je vais le faire en me baissant un peu plus. Voilà. On a fait une rotation plus complète. Et on peut bien évidemment combiner tout ça avec un kickflip pour faire un 3-6 flip. C'est parti. Voilà. Bon, il était un peu moche. Je vais essayer de le refaire. Voilà, il était un peu plus beau celui-là. Mais on peut le faire vraiment dans tous les sens. Si on a envie, vous allez voir, on peut faire énormément de tricks. On peut bien évidemment aussi faire des slides. Donc là, ça va être pareil. Selon l'orientation de notre planche, on va faire des slides différents. Donc là, on a fait un nose slide. On peut faire des board slides, on peut faire des lip slides, on peut faire des smiths, on peut faire un peu tout. Et ce qui est assez cool avec le jeu, c'est justement qu'il y a une énorme phase d'apprentissage pour apprendre les tricks. Et on peut toujours s'améliorer. Voilà, et c'est ce qui est plutôt cool. D'ailleurs vous allez le voir, on va faire la présentation complète du jeu. Ils ont rajouté des défis, ils ont rajouté des cartes, c'est vraiment très complet. Parlant du contenu justement, on peut personnaliser notre tête, on peut aussi personnaliser notre planche. Donc on va le faire aller rapidement, du coup hop, voilà, on prend du classique. Cheveux, on va peut-être pas prendre une coupe afro, faut pas déconner non plus. Alors je vais mettre une casquette, je crois qu'il y en a des casquettes. Je vais mettre une, ouais, coiffure normale. Je vais mettre une casquette, allez, une lacaille. Désolé si je prononce très mal hein, les choses. Hein. C'est pas impossible. Ok, comme ça. Pantalon. On va peut-être pas se mettre tout en noir. Nous, on va pas aller non plus sur du rose. Alors, on va se mettre comme ça. Chaussures des DC. Je mets toujours des DC, moi, donc perso. Voilà, la planche très bien. On peut même choisir le grip, d'ailleurs. Hein. Allez, on va mettre comme ça. Et les trucks. Ah, les trucks, très important. Des trucks rouges. Et les Spitfire. Et du coup, voilà, on peut se personnaliser. Il y a une fonctionnalité qui a été rajoutée, c'est le mode replay. Alors, c'est assez classique sur le jeu de skate, mais elle est présente. Et du coup, c'est plutôt cool de la voir. Vous allez voir qu'elle est assez avancée. Donc là, on a fait un tricks et on va simplement passer en mode replay. Nouvelle vidéo. Donc là, bien évidemment, on se met sur ce qu'on a fait. Donc là, ça nous met à l'arrière de notre personnage. Mais vous allez voir qu'il y a pas mal d'options qu'on peut faire. Donc, hop, nouvelle vidéo. On peut se reculer.
Alors je vais pas faire tous les trucs un peu avancés. Il y en a qui mettent des marqueurs et tout pour faire vraiment des vidéos vraiment avancées. Vous voyez, on peut se mettre à l'arrière, on peut reculer un peu, on peut choisir l'angle. On peut d'ailleurs aussi sauvegarder notre replay et on peut avoir un truc plutôt stylé avec ça. Le but hein, de toute façon de la vidéo, c'est pas d'aller en détail dans le mode replay. Si vous voulez vraiment une vidéo dédiée à ça, je pourrais vous la faire. Mais voilà, la fonctionnalité est là. Alors là d'ailleurs, on peut se mettre en mode trépied. Donc on va le tester. Hein. Vous voyez, là je me suis mis en mode trépied et hop, on voit que le trépied suit notre personnage. Il y a un mode libre, il y a un mode orbite. Enfin voilà, il y a vraiment énormément de choses à ce niveau-là. On va se replonger un petit peu dans le gameplay, on a la possibilité de replaquer les tricks avec le pied avant, le pied arrière si on a envie, simplement en appuyant sur le joystick. Alors je vais le faire avec le pied avant déjà, hop, voilà, on a eu le kickflip replaqué avec le pied avant et avec le pied arrière aussi, comme ça. Alors je me suis un petit peu loupé, hop, voilà, un flip replaqué avec le pied arrière. Et bien évidemment on peut le faire avec un tri flip, avec un petit peu n'importe quoi, on va essayer, hop, je me suis loupé. Voilà, avec le pied avant là. Ça c'est plutôt cool, ça offre pas mal de possibilités de faire les tricks. D'ailleurs, petite chose qui a été rajoutée dans le jeu, qui n'était pas disponible avant, c'est le nom des tricks. Alors c'est quelque chose qui est assez classique sur le jeu de skate, et c'est vrai que pendant très longtemps on ne l'avait pas, du coup on interprétait un peu ce qu'on faisait, maintenant le jeu comprend. Donc par exemple, kickflip, vous le voyez, c'est écrit en haut à gauche, il flip, on va faire un show vite, et on peut faire aussi, bah voilà, un flip 180, enfin voilà, un frontside 180 flip, on peut faire un petit peu tout, et tout est assez bien compris par le jeu, même tout ce qui est nose slide, nose blunt slide, tous les tricks comme ça. D'ailleurs on va essayer de faire un petit combo avec un manual pour voir ce qui nous affiche. Je vais essayer de faire un tri flip manual et puis sortie flip. Allez, c'est parti, hop, ok. C'était juste un tri flip, c'est ça qui est assez difficile hein, c'est de sortir le tricks qu'on veut des fois. Voilà, c'est absolument ça que je voulais faire. Donc là vous le voyez, tri flip manual flip. Autre chose qu'on peut faire, c'est les grabs. Donc ça, c'était ajouté dans une mise à jour. Donc là, vous voyez, je fais mon petit ollie. Alors, c'est avec les gâchettes qui sont devant. Donc là, vous le voyez, c'est pour grab avec la main qui est devant. Et l'autre, c'est pour grab avec la main qui est derrière. Et bien évidemment, on peut orienter tout ça. On va le faire. Hop. Alors, je l'ai pas orienté, bien évidemment. Hop. Voilà, comme ça. Vous voyez, vous avez vu au niveau du joystick, j'ai orienté et ça a fait un truc différent. Je vais aussi l'orienter d'une autre manière. Tiens, allez, pour essayer. Voilà. Et ça, c'est plutôt sympa. Avec tout ça, ils sont bien évidemment ajoutés autre chose que juste du street. On peut aussi faire de la rampe. On peut faire pas mal de choses. Mais ça, on va le voir un peu plus tard dans la vidéo quand on va découvrir les cartes justement qui ont été rajoutées. Avant, on n'avait qu'une seule carte. Il fallait utiliser des mods pour en avoir. Maintenant, on en a un petit peu plus. Quelque chose qui manquait sur le jeu, c'est l'ajout de challenge. Alors quand on jouait à Skater XL, finalement, tout ce qu'on pouvait faire, c'était skater, se faire plaisir. Bon, ce qui est déjà pas mal. Maintenant, on a des objectifs, essayer de faire certains tricks à certains endroits. Et d'ailleurs, certains tricks qui peuvent être un peu compliqués. Si vous êtes intéressé par tout ça, honnêtement, dites-le en commentaire de cette vidéo. Je vous ferai une vidéo dédiée où justement, on essaiera de tous les faire, tous les défis. On va juste tester ensemble. On va faire un basic tricks, un grind et un advanced line pour justement voir un petit peu comment ça se passe. Donc, basic tricks, on va faire le premier, tiens, ollie over the bench. Bon, c'est du classique, hein, c'est juste sauter au-dessus d'un banc. Bon, ça va pas être très compliqué. Ok, ok, il me donne comment faire. Bon, très simple. Mais au moins, ça permet d'apprendre un petit peu les tricks et ça permet du coup de progresser un petit peu sur le jeu. Donc ça, c'est du très simple. On va aller sur, comment on a dit, un grind. C'est quoi? Frontside 5-0. Frontside 5-0, donc bah c'est simplement du coup sauter et garder bien le pied arrière sur l'arrière, aussi le pied avant hein, pour céder. Allez, on va le faire. Hop, il nous met directement dans la bonne direction. Ouais, bon, il a compté, mais il était moche. On va le refaire. Il était extrêmement laid. Ouais, mais vous voyez, je suis pas dans l'axe, hein. Je suis pas dans l'axe du tout. Voilà, là il est un petit peu plus beau. On va aller sur Advanced Line pour voir ce qu'il nous propose. Alors là, c'est des tricks un peu plus avancés. On va faire le premier, double flip et double flip. Ok, double flip sur les premières marches et double heel sur les suivantes. Ok, ok, ok. Alors, il va peut-être falloir plusieurs essais. Hein. Hop. Ok, je me suis totalement loupé. J'ai fait un varial. Ok, un. Ah! Je me suis mal mis. Ok.
Ah, le double fist n'a pas compté. D'accord. On va le refaire. Il est un peu laid, hein. Voilà. Voilà. Les deux passes. C'est plutôt stylé d'avoir ce genre de défi, ça donne un petit peu un sens au jeu. Et d'ailleurs sur les jeux de skate, moi je trouve que c'est vraiment ce genre de défi qui est très sympa. Franchement je pense qu'un ajout très intéressant qui pourrait être fait, et je pense que vu ce qu'ils ont fait c'est tout à fait possible, ça serait l'ajout d'un jeu multi, enfin d'un mode multi avec justement une petite game de skate qu'on pourrait se faire. Donc on rappelle hein, le principe d'un game de skate, c'est on finit un tricks, l'adversaire doit refaire le même, et s'il n'y arrive pas, bah du coup il se prend une lettre et le premier qui a skate qui est écrit, bah du coup père. C'est toujours très très stylé d'ailleurs hein, ces trucs hein, si vous les voyez en vrai. On va aller un peu plus loin et on va découvrir les autres niveaux, puisque bien évidemment il n'y a pas qu'un seul niveau. On a The Big Ramp, on a Downtown Los Angeles, California Skate Park et West LA Courthouse. Alors après on peut aussi rajouter nous-mêmes des niveaux, je ne l'ai pas essayé, mais du coup voilà, si des fans font des niveaux, on peut les tester et on peut jouer dessus. Mais déjà avec ce qui était rajouté, je vous assure que c'est bien bien suffisant. On va aller sur The Big Ramp pour voir comment ça se passe en dehors du mode street. C'est toujours intéressant de voir comment ça a été fait. Honnêtement ça a été largement amélioré. Bon, il y a une petite zone de street hein, bien évidemment, toujours. Ce trick était particulièrement vilain d'ailleurs. Hop. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal ce que je fais, c'est pas mal. Hop. Un bon gros ollie. Et là, on va se faire une petite rotation. Je vais tenter un 720 au moins. Ok, j'ai pas du tout tourné au bon moment. Bon, j'ai fait un 900. J'ai fait même carrément un 900. Bon, je vous avoue que ça tourne vraiment très bien. Ça tourne vraiment super bien. Ok. Et d'ailleurs c'est très aidé hein. C'est très aidé. Alors c'était pas exactement ça que je voulais faire. Je voulais pas faire la rotation derrière. Mais je maîtrise pas trop en fait le... Je vous avoue que la rampe c'est pas trop mon domaine hein. Mais c'est plutôt bien foutu. Honnêtement par rapport à ce qu'il y avait avant. En fait avant le perso sortait de la carte quand on essayait de faire ce genre de choses. Là maintenant ça tient bien. Et je sors de la carte bien évidemment parce que je finis par mourir. On va voir les challenges d'ailleurs qu'il y a là-dessus. Vous le voyez, hein, il y a d'autres challenges. Chaque map finalement va avoir ses challenges. On va faire celui-là, le kickflip, then il flip. Bon, facile, hein, facile. Flip. Then il flip. Fallait pas que je meure bêtement quand même. Meurs. Je viens vraiment de dire mourir. Non, je viens de faire un varial, c'est incroyable ce que je viens de faire. C'est vraiment incroyable. Flip. Et il flippe ici. Faut être vraiment précis avec les figures. Hein, parce que c'est vite fait de faire n'importe quoi. Hein. Et du coup, fais voir. Advanced Line, 180 flip. Indie, 180 flip. Waouh. Attends, 100. Waouh. Attends, 180 flip. Indie, 180 flip. M. Melon. Ouais, mais alors ça, c'est le genre de truc. Typiquement, je vais pas y arriver du premier coup. Je pense que le flip Indie, je vais y arriver. Ça me pose pas trop de soucis. Ouais, alors il est très laid, c'est pas ça du tout que je voulais faire. Frontside flip, allez. Et Indie, ouais, c'est un peu laid, il a compté. Et après le backside flip melon, ouais, c'est tellement chaud. Mais ça vraiment, du coup, jouer sur des rampes et faire les défis, je pense que c'est vraiment super dur. Mais du coup, c'est pas mal de défis, parce que honnêtement, là, le laser flip Zen Mute 900, dur, hein. Dur, ce genre de choses. Par contre, genre... Ça là, Stealthfish Roll in Gap. Faire c'est quoi? Et vous voyez, il nous montre vraiment le mouvement. Ouais, bah alors même ça, je vais l'essayer. Je vais l'essayer celui-là, mais c'est quoi? C'est. Attends, tu fais comme ça. Tu fais hop. Non, c'est pas ça du tout. Stealthfish, alors c'est. C'est ça, hein? Ah, il a compté, il était extrêmement laid. C'était extrêmement laid. Parce que du coup j'ai fait une rotation, ouais, regardez mes pieds, on les voit qui sont positionnés au niveau de la manette, c'est vraiment très mal fait. Mais ça passe, c'est accepté. On va changer de carte et on va aller sur Downtown Los Angeles. Alors California Skate Park et West LA Courthouse, c'est des cartes qui étaient déjà disponibles avant, c'est pas très intéressant de les re-explorer. Par contre Downtown Los Angeles, c'est une des trois nouvelles. Vous allez voir, les cartes sont vraiment massives. D'ailleurs, on peut passer en mode exploration, hein. On peut poser d'ailleurs notre point de contrôle où on veut. Alors on va rester où on est parce que justement il y a des petits tricks à faire, mais on peut se balader un peu partout. Vous voyez, c'est
vraiment, vraiment, vraiment immense. En fait, c'est simple. Si on voulait faire le tour de tous les spots, je pense qu'il faudrait une vidéo dédiée à chacun des spots. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Le jeu est extrêmement, extrêmement complet. Hein. Et vraiment, je vous le dis maintenant, le gameplay est très agréable. Beaucoup, beaucoup plus fluide. On va faire une petite run et on va voir ce que la carte a à nous proposer. Alors, on va essayer de faire différents tricks. Le leap slide était pas très beau. Hein. Pas très beau du tout. On va tenter le tréflip. Voilà. Assez facile à faire, hein, le tréflip. Par contre, le laser flip, j'ai essayé plusieurs fois de le faire. Je vous avoue qu'il est dur à sortir. Hein. Il est vraiment, vraiment difficile. C'est vraiment pas très ergonomique. Mais bon, enfin, de toute façon, c'est un laser flip. Hein, donc, bon... ok, ça c'est un inward. C'est comme ça. Ok. Ouais, alors le laser était très laid, mais c'est ça. Alors, hop. Voilà. Le laser heal. Mais il est dur à sortir, hein. Très très difficile à sortir. Voilà, on se tape un petit 3-6 chaud vite. Tiens, je vais essayer de sauter là. Ok, c'est un peu haut. Alors là, bien évidemment, on a affiché le pied gauche et le pied droit. Sachez que vous pouvez tout à fait enlever ça. Hein. Vous allez voir, affiché à la manette, vous l'enlevez, voilà, on voit plus s'afficher. Mais je pense que pour le jeu, c'est plus sympa de voir ça. Ok, on est parti. Hop, le no slide. Il est plutôt bien fait. Bon, l'atterrissage est dégueulasse. Je vais tenter un crook, mais là... il passe, hein. Il passe, le crook, hein. Et là, 543 flip. Je vais essayer de passer là-dessus. J'aimerais bien passer en manuel. En fait, j'aimerais bien passer en manuel là-dessus, mais... Ouais, bah, je suis pas du tout en manuel. Hein. Je suis pas du tout en manuel. Hein. On va tenter un petit combo à ce niveau-là. Ok. Petit board slide. Ouais, le crook était pas très beau. Le crook était pas très beau. Et d'ailleurs, il est pas très bien calé. C'est moche, mais on va le refaire. Ok, ok. Là, je suis en no slide. Ouais, mais je pourrais pas sortir. J'essaie de remonter par là, mais ouais, je pouvais pas faire mieux. Je pouvais pas faire mieux, je pouvais pas sortir. J'avais pas assez de vitesse, pas assez de vitesse. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. On va essayer de faire un petit combo manuel. Hop. Chaud vite. Yes, chaud vite. C'est pas terrible. Ouais, après, la gestion en osmose manuelle est très compliquée pour moi. Ce qui est cool, hein, encore une fois, c'est toute cette période d'adaptation au jeu qui est nécessaire, qui est obligatoire et qui doit être faite. Vraiment, le jeu est hyper, hyper, hyper sympa à ce niveau-là. En fait, il est hyper satisfaisant parce que, bien qu'au départ, le jeu soit compliqué à appréhender, c'est très clairement compliqué à appréhender, hein, au bout d'un moment, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Et d'ailleurs, c'est assez récurrent de voir des streamers qui jouent sur ce jeu sortir vraiment le trick qu'ils veulent. Là, par exemple, j'ai tenté un crook. Bon, c'était un nosgrind. C'était un nosgrind, j'étais passé sur le côté. Hop, hop. Après, là je lance extrêmement vite les tricks. Hein. Vous n'êtes pas obligé de lancer aussi vite. Hein. Vous voyez, là, je lance plus lentement. Ça dépend vraiment, vraiment l'impulsion que vous y mettez, hein, d'ailleurs, dans la puissance des tricks. Par exemple, on peut faire des figures assez lentes. Vous voyez, voilà, là, j'ai fait un kickflip un peu lent et très rapide. Voilà. On peut faire encore plus rapide, je suppose. Mais je vais pas y arriver. Hein. Je sais qu'on peut faire plus rapide, voilà. Là, j'ai fait un peu plus rapide. Globalement, c'est vraiment la puissance que vous y mettez si vous faites le mouvement lentement ou rapidement. C'est pour ça, d'ailleurs, que là, j'ai des 3-6 flips qui sont très rapides, alors que je pourrais essayer plus lentement. Ouais. Voilà, un peu plus lentement. Et là, ça passe vraiment, vraiment très, très bien. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut !